Le premier livre des Chroniques, chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Pérets, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Chilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérak, Jeël et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Mesculam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jimnéja, fils de Jérocam. Éla, fils d'Udzi, fils de Micri. Mesculam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jéhadéja, Jéhojarim, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Mesculam, fils de Tsadok, fils de Méjaroth, fils de Dakitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocam, fils de Pascur, fils de Malkija. Maesaï, fils d'Adiel, fils de Jakzera, fils de Mesculam, fils de Mesquilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ascub, fils d'Azricam, fils de Ascabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jedutun, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Netophatiens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissait les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meskélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattithia, l'un des Lévites, premier-né de Shalom, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque.
et quelques-uns de leurs frères parmi les Kéatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaca. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Guédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché, fils de Miché, Python, Melech et Takréa. Akaz engendra Jaéra, et Jaéra engendra Alemet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Rephaja son fils, Eléasa son fils, Hatzel son fils, et Hatzel eut six fils, dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Hatzel.